Ok les sportifs, juste après avoir pris la route goudronnée, vous continuez un petit peu la piste. Et sur votre gauche, vous avez un passage évident qui vous permet de passer les deux barres rocheuses et ensuite de trouver un chemin qui est vraiment bien tracé, évident et qui vous amène au début du canyon. Voilà, allez, on continue la petite balade aquatique. Ok, arrivé sur la fin du canyon, il vous faudra soit sortir la corde, vous avez besoin de 3 à 4 mètres, ou alors juste vous passer au-dessus. Et voilà, c'est fini, la rando se termine quand vous arrivez au niveau du pont en fer. Vous allez retrouver la rivière qui vous amènera au village de la Connette. Si vous savez être patient, vous trouverez dans les rivières le fameux sanglier bleu.